Bonjour chers amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de la collection de vinyle 10 pouces. Après un premier épisode où on a regardé ce que j'avais en split, et ben on va continuer et on va prendre au pif les disques comme ils viennent, comme j'aime, au pif, et on va en parler, on va se souvenir et on va discuter un petit peu. C'est parti. Bam! On attaque tout de suite avec Nargaroth Rasluka Part 2. Alors, il y a une fame énorme autour de Nargaroth il y a entre 20 et 15 ans. J'ai jamais trop fait partie de cette fame. C'était... Les gens étaient fans de Nargaroth, ils appelaient ça du true black metal. Jamais trop compris cette appellation true black metal. Surtout pour Nargaroth qui se traînait déjà beaucoup de casseroles. Mais ils ont imposé un truc et bon... À réécouter après coup, une fois que la fame était un peu partie, bah, y avait des très bonnes choses, d'autres un peu moins bonnes. Et bah, ce Rasluka Part 2 était un disque à l'époque très demandé, très recherché. En 10 pouces avec, alors la pochette, franchement, moi je la trouve excellente. On dirait du Klimt ou je ne sais pas quoi, un truc un peu 1900-1910, on va dire. Quant au disque en lui-même, c'est une sortie de chez No Colours et pas une sortie Sombre Records. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai deux inserts, dont un qui est écrit en anglais, un autre en allemand. Retour en France avec By the Sword, Hell Metal Style. Et oui, By the Sword, c'est sorti chez Duke. Et là, on peut reconnaître... une infographie, ma foi, typique un peu de Duke, je crois. Il avait des talents, mais certains autres, il ne les avait pas. Le vinyle est rouge, avec un insert sympathique. On voit les photos des membres Harrison et Deinos. Eh bien, ce groupe venant du sud-ouest, bien évidemment, il suffit d'écouter le morceau numéro 3, dont je vous laisse lire le titre et les origines. Eh bien, on peut se dire, c'est du Antaoma. Pourquoi sont-ils appelés By the Sword, alors que c'est du Antaoma? Les solos, c'est fait par Rock de Studio Folk. Bon, ma foi, on sait où on va. Très sympa. Alors, par contre, c'est vrai que sur The Trooper, la voix un peu bourrin, machin, un peu inaudible... bon, peut-être est-ce une faute de goût. Peut-être la seule faute de goût de ce disque, hormis le layout. The Trooper Wolf Satanic Magic OP. Alors, The Trooper Wolf, c'est l'autre face de Satanic Grandmaster. Des fois c'est pareil, puis des fois c'est pas pareil. Alors, quand c'est pareil, ben, je vous invite à regarder la vidéo sur la chronique de l'album que j'ai faite, quoi dans mon sac, sur l'album de The Trooper Wolf. Ici, ben, c'est quand même... Ouais, bon, c'est pareil en fait. Moi j'aime bien, je m'en fous, donc c'est pas un problème pour moi. Voilà, un EP sorti chez Satanic Skinhead Propaganda. Un nom qui attire des problèmes, et le mec a forcément eu des problèmes. On passe au Japon, mais cette fois-ci, pas pour Sabbath, c'est plutôt rare avec le Japon. Non, mais il y a d'autres groupes au Japon que Sabbath, hein, oui, effectivement. Là, on passe à Frozen, et la démo Requiem on My Grave. Ici, c'est une réédition de la démo sur vinyle 10 pouces. Ça a été fait en 2019. La démo a été enregistrée en 2001, et elle est sortie en 2001 ou en 2002, et je ne sais plus, et en plus je suis très con parce que c'est moi qui ai sorti en démo. J'avais sorti ça à 300 exemplaires. Frozen, en partie, est le prémisse de Arkasva, parce qu'il y avait un membre en commun. Et moi cette démo, je l'ai adorée parce que j'avais sorti, et j'étais très content de sortir à l'époque une démo d'un groupe japonais, même si personne n'en avait rien à foutre, et je pense que ce 10 pouces, pas grand monde en a grand chose à foutre. Heureusement, le label suédois l'a sorti à 100 exemplaires. Vous pouvez voir ici la limitation. Une démo qui tient sur une face, la deuxième face étant, elle, vide, pas imprimée, avec seulement le logo du label. Logo du label, je vous remercierai de ne pas me demander le nom du label parce que... déjà que rien cri-cri normalement, j'y arrive pas. Mais alors là, non. Quoi. Voilà. Ça m'a amené à penser à une chose, c'est que la démo étant sortie en 2001 et le vinyle en 2019, c'est qu'on a une époque où il y a de la réédition et pas forcément de trucs ultra cultes parce que
très franchement, Frozen, j'en ai sorti 300 copies. Il y a eu un léger culte après, il y a des mecs qui m'ont demandé d'avoir la démo, alors que c'était plusieurs années après, quoi, qu'elle soit sold out. Et c'est très marrant de voir qu'une de mes sorties de l'époque a été rééditée, que quelqu'un s'y soit intéressé. Ça me fait mentir un peu cette malédiction comme quoi j'ai jamais de succès. Mais bon. Et puis, on va voir de plus en plus de rééditions de trucs obscurs. Comme on a eu des rééditions de trucs obscurs des années 80, voire 90. Mais quand même, dans les années 80, quand il y avait un truc obscur, il y avait quand même plusieurs milliers de personnes qui connaissaient, même si ça n'a pas été signé sur un vrai label. On arrive à une époque où on va... rééditer des choses, des démos des années 2000 qui paraissent cultes maintenant, alors qu'à l'époque, tout le monde s'en foutait et on en est les témoins. Amusant. Urn, I Am Your Nightmare, sorti chez Damnation, label hollandais, limité, numéro 444. Urn, groupe finlandais, évidemment, d'un style qui lui est propre, parce que à cette époque-là, en Finlande, comme je vous l'avais déjà dit, les groupes se ressemblent peu finalement. Ils ont tous, une grande majorité, leur propre originalité, justement. Et Urn ne déroge pas à la règle. Un disque bien sympa, d'un groupe qui l'est tout autant. Sympa musicalement, parce que les mecs, je les ai vus à Lyon il y a 2-3 ans. Bon, c'était un peu des têtes de con, quoi. En dehors du concert, ils ont pas pipé mot. Mais c'est pas tellement ce qu'on leur demandait finalement. C'est des Finlandais. Les Finlandais, soit c'est les meilleurs amis du monde, soit c'est des mecs que tu les entends pas parler. Deuxième catégorie pour ce groupe. Urn reste une petite pépite cachée en fait des bons groupes de black trash metal. Sovereign Rehearsal 1995. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que le format 10 pouces est un format ONI. Personne ne fait des 10 pouces, c'est pour ça que vous en voyez très peu, vous voyez. Alors de moins en moins de 45 tours, parce que c'est simple, 45 tours, ça coûte une blinde et on peut pas le vendre très cher parce que y a pas beaucoup de morceaux. Ou alors il faut le vendre quasiment maintenant le prix d'un 12 pouces, donc les gens ils disent je vais pas payer 10€ pour deux morceaux, je vais payer 15€ pour 7 morceaux. Mais les 10 pouces, ma foi, à chaque fois qu'il y a un 10 pouces qui sort, une sorte de malédiction. Soit le groupe est périclite, soit le groupe il marche pas, soit ça se vend pas. Ce disque, voyez-vous, je l'ai pas payé. Et je l'ai eu dans une commande ou dans un trade avec Headsetbangers. Ils m'ont glissé ça. Je pense qu'ils doivent avoir tradé peut-être une cinquantaine. Ils ont vendu deux en 10 ans, donc ils se sont dit « Allez, c'est bon, mets dans les commandes, on s'en bat les couilles, je veux faire la place. » La malédiction du 10 pouces. Et pourtant, le 10 pouces, moi j'aime bien. Et en plus, Sovereign, c'est pas mauvais, quoi. C'est le groupe brésilien avec Rudolph. Reportez-vous à de mes vidéos 45 tours. J'en ai un de 45 tours. Il y a la pochette avec la tronche du mec, une photo. C'est spécial, mais ça me fait marrer. Et c'est pas mauvais, très franchement, Sovereign. Cette Rehearsal de 95 est pas super intéressante. Sur le 45 tours que je connais, c'est quasiment du Seigneur Volant. Enfin, il y a un côté limite funéral, les groupes français, etc. Là, un peu moins, forcément, parce que c'est un peu en avance. Mais le cadeau est sympathique. Retour en France, et encore une fois, chez EAL, c'est marrant, parce que End of Life a sorti quand même son lot de 10 pouces, finalement, ici, limité à 333 exemplaires. Et c'est le groupe Asmodée avec la démo 97 Equilance, réédité en 10 pouces. Bien évidemment. Groupe qui a la particularité d'avoir Spica en son sein. Spica, membre de Zvest, et également aussi de peut-être Cantus Bestiae, je crois, de Inquisitor à un moment. Bref, ça sent un peu, pas les copains, mais l'environnement, parce que c'est aussi des groupes du Mans, etc. C'était un peu la zone géographique globalement de chez End of Life. On comprend pourquoi ça a été réédité. C'est vraiment sympa, mais c'est pas Zvest. Très franchement, si moi j'avais pris ça parce que Zvest, etc. La comparaison n'est pas raison, mais Zvest est largement mieux. Mais quand même, même Démo 97, ça vaut le coup. Encore un groupe culte en 10 pouces avec ici Judas Iscariot et son Moonlight Butchery sorti chez No Colors Records avec des intros signées Puissance, le groupe suédois de Neofolk.
pour les fans de Judas Iscariot, hein, très franchement, il n'y a rien à dire de plus que ça. Disque assez rare, si je ne m'abuse, je crois que ça avait été réédité en CD de manière pirate. Bon, en tout cas, celui-là, moi je l'ai dosé. Et puis on finit, et puis il y a un petit goût de déjà vu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on va parler de Débaucherie, qui est le side project de Akhenaten de Judas Iscariot, et c'est sorti chez EAL. Et là, donc, on a le Dead Scream Symphony. Voilà, c'est la version Death Metal de Judas Iscariot, dirons-nous. On est loin du Death Metal à Immolation, etc. On sent que c'est Akhenaten. Moi, j'ai toujours préféré Judas Iscariot, très franchement. Voilà, chers amis, on a terminé pour ce deuxième épisode de la collection de 10 pouces. Je vous retrouve très très vite pour le troisième et dernier épisode. À bientôt.